Moby, Into His World. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Et le troisième single extrait de son dernier album qui s'appelle 18. Alors vous avez 37 ans, vous êtes né à New York, dans le quartier de Harlem. Non. Votre vrai nom c'est Richard Melville Hall et vous êtes l'arrière-petit-neveu de Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, et c'est pour ça qu'on vous a appelé Moby. Vous avez 2 ans lorsque votre père meurt dans un accident de voiture. Votre mère déménage dans le Connecticut, là où vous êtes né, Ariel Dombasle. Ah oui. Norwich. Ça? Norwich, yes. You know Norwich? Ah oui, c'est pas militaire. Militaire. Oh, too bad. I didn't go there since ages. I'm old. Bon, yeah. Oh, really? Donc, votre mère déménage dans le Connecticut où est née Ariel Dombasle, où elle mène une vie, on peut dire, de hippie, de baba, comme on dit ici. Et en 1968, à l'âge de 3 ans, vous rencontrez Marie Lafière, Proud Mary, la chanson de Creedence Clearwater Revival. Et là, pour vous, c'est un choc. Le jour où vous entendez ce morceau dans la vieille Plymouth complètement déglinguée, sur l'autoradio pourri de la voiture, pour vous, c'est le choc, c'est la grande révélation. Vous vous souvenez de ce moment-là? Oui. Il faut penser que c'est un peu bizarre pour moi d'avoir eu cette expérience à l'âge de 3 ans et 34 ans après en parler dans un show français. Donc ça, c'était à l'âge de 3 ans. À l'âge de 4 ans, vous partez toujours avec votre mère à San Francisco. C'est l'époque du Summer of Love, le fameux été de l'amour californien. Et vous avez une enfance assez bizarre, bohème, sans fric. Oui, c'était étrange. J'ai grandi dans une ville très riche, extrêmement riche. Et ma mère et moi, nous étions très pauvres. On avait des subventions du gouvernement, on avait des timbres pour acheter la nourriture, des tickets de nourriture. Et c'était vraiment bizarre parce que mes amis vivaient dans de très belles maisons avec des serviteurs. Et donc, j'ai eu ce sentiment de ne pas être adapté. J'avais l'impression d'être un citoyen de deuxième zone. Et encore aujourd'hui, j'ai un peu cette impression. C'est-à-dire qu'à l'époque, vos copains, ils alliaient faire du ski dans le Colorado et vous, vous restiez pendant toutes les vacances devant la télévision, quoi. L'été, oui, par exemple, les vacances d'été, tous mes amis partaient faire du bateau, de la voile, ou se promenaient en Suisse, et moi je restais assis à la maison, et je regardais une petite télé en noir et blanc, et j'essayais de m'amuser à regarder des dessins animés, et ça durait tout l'été. C'était vraiment très triste. On va pleurer. Hein. Et puis, ma mère m'enfermait. Elle m'attachait à un radiateur et elle me couvrait de miel et elle me jetait dans des cavernes où il y avait des ours. Et c'est triste, mais c'est vrai. Et en plus, vous étiez petit et maladif. La chute est terrible. Mais oui, parce que ça aurait été un type... Mais c'est vrai, vous étiez petit, chétif, maladif. Don't answer. Vous aviez pas de père, vous aviez pas de frère, vous aviez pas de sœur. Oui, je sais, la vie était vraiment affreuse, bien entendu. Putain, c'est Jean-Luc Lahaye. Mais vous avez un demi-frère, non? Somewhere. Oui, quelque part. Avant que je laisse et que ma mère se marie, elle a eu un enfant. Quelque part dans le monde, j'ai deux demi-frères. Il n'a même pas un frère entier, tu vois, il a un demi-frère. Et alors, vous avez appris plus tard qu'en fait, votre père n'était pas mort dans un accident de voiture, mais qu'il s'était suicidé à l'âge de 26 ans. Mon père a été tué dans un accident de voiture. Et ce que j'ai découvert quand j'étais plus vieux, beaucoup de gens pensaient que c'était un suicide. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de troubles, un jeune homme troublé. Comme je crois Albert Camus s'est tué dans un accident de voiture. Donc c'est un moyen assez répandu pour mourir, pour se suicider. C'est une mort violente. Alors le seul échappatoire à cette jeunesse un petit peu ratée, on peut dire, c'est la musique. À l'âge de 13 ans, vous apprenez à jouer Crocodile Rock. À 14 ans, vous faites un groupe qui joue des chansons des Beatles, du rock, par exemple Birthday, des choses comme ça. Et puis, vous découvrez le punk et la New Wave. Votre idole, c'était John Lydon, l'ex-Johnny Rotten, le héros de P.I.L.
qui était vraiment pour vous le summum. Well, 'cause when I was growing up, lorsque j'ai grandi, I was very insecure because, as j'étais I said, I was peu sûr de moi, parce que j'étais très pauvre dans une ville très riche, comme vous l'avez dit, j'étais très petit dans une ville pleine de beaux athlètes, et tout à coup, lorsque j'ai eu 14-15 ans, j'ai découvert le punk rock, et au lieu de me sentir un peu un outsider, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose dont je pouvais être fier, parce que la chose merveilleuse du punk rock, il faisait des vertus du fait d'être un marginal, en fait. Oui. En 1983, vous avez votre premier magnétophone 4 pistes, et vous découvrez effectivement que vous pouvez faire de la musique tout seul. Ça, c'est formidable pour vous. Oui, parce que j'aimais beaucoup faire la musique avec d'autres gens, mais lorsque vous jouez dans un groupe, il faut toujours attendre que les gens arrivent, et les autres musiciens ont des petites amies, ou ils sont sous, ils sont bourrés, donc moi j'attendais que les autres musiciens arrivent, et j'ai découvert le miracle de ce 4 pistes, et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'autres musiciens, je pouvais tout faire moi-même, et comme résultat, je n'ai pas beaucoup de qualités sociales, si vous voulez, là, ça va. Relationnelles. Là, ça va très bien. Non, c'est de l'entraînement aux médias, hein, des mois de formation. Alors, comme vous êtes DJ à New York, vous vous rendez compte de l'arrivée de la dance, de la house et de la techno. Et vous, vous laissez tomber le rock'n'roll pour les musiques électroniques. Oui, c'était très excitant. Il y avait ce nouveau mouvement, comme le punk rock était nouveau dans la fin des années 70, le dance était nouveau à la fin des années 80 et 90.